Les visites sont à quelle heure? Uniquement en matinée. Vous en avez mis du temps. Vous êtes américain. Qui êtes-vous? Un ami à la recherche d'un autre ami. Vous connaissez cet homme? Si vous me posez la question, c'est que vous connaissez la réponse. Que faisait-il à Jérusalem? Il est venu acheter une arme. Quel genre? Biologique, mais je n'en suis pas certaine. Les Syriens l'ont mise au point il y a déjà 10 ans. Jusqu'ici, le transport posait problème. Votre ami leur a proposé une solution miracle. En échange de quoi? De l'arme biologique en question. Il a offert aux Syriens une petite fortune en dollars et un conteneur de transport. Où sont les Syriens? Et le conteneur? Je peux vous y conduire, à condition que vous gardiez vos distances. Si quelqu'un nous voit ensemble, je ne donne pas cher de notre peau. Tout est en ordre. Que faites-vous dans la rue? Je suis désolée, je rentre chez moi. Tout le monde doit respecter le couvre-feu. C'est pour votre bien et celui des autres. Je comprends. C'est... Mon père, il est très malade depuis... les attentats. Il a fallu que je lui refasse ses pansements et j'ai perdu toute notion du temps. Je voulais pas. Je vois. Allez, dépêchez-vous de rentrer. Merci, je ne traîne pas.
C'était rien du tout.
Qu'est-ce que vous faites dehors? Vous avez oublié le couvre-feu? Excusez-moi, je dois m'occuper de mon père, il est très malade et... Désolé, mais je ne peux pas faire d'exception. Je dois vous demander de rentrer chez vous. Tout de suite, monsieur l'officier. Je vais vous escorter. Je vous demande pardon? Couvre-feu ou pas, ces rues sont un vrai coupe-gorge. Je vous accompagne, au moins je serai sûr qu'il ne vous arrivera rien. Je vous assure que ça va aller. C'est sur mon chemin, de toute façon. Allez. Je vous assure, ce n'est pas nécessaire. Impressionnant. Faut revoir le plan? Non. Dans quelques heures, l'échantillon biologique ne sera plus dans l'entrepôt de Shoshana. Il faut pas traîner. On doit faire preuve d'une plus grande discrétion. Montrez-vous encore une fois et vous vous débrouillerez sans moi. Compris. Et si je passais par les toits? Oui, bonne idée. Essayez par ici. Je vous retrouve à l'entrepôt.